waxalak police. Police fofu bis mo fa tege sama tank samay patron du man kasse lañu tek lu metti waye fayum bi yep lañuy fitna gis nga sa trop xamal fokay denc mais pas ci bir keur gi. Mais vous étiez quand même présente la nuit de sa mort. Oui, ma ngi won ci soirée bi. Est-ce que tu peux me dire comment s'est terminée cette soirée? Je sais pas parce que man na ma dem ndax sama yaram neexul won ma dem sam papa fu intérêt wam neekul dafa neek aram ba xam nga ne ci sa baye ngay wax daf ma leer ni sam papa bukki la bu sango deru bay te min ci ay mbir yu lendam xam na dama tok sen kër ay fami neew lolou pour la yaay ko nam man mako autoriser dina ci tiplu de xam na ko teye sen dom ji fofu nga diko dundal dundalay len mom lañ bëgg. Waye bu len woré ni deureum duñ ko jot muy sen jamm am nga adresse bi yo rief c'est confirmé. Allô? Oui, allô dodo. Nabuja, ça va? Waaw mani yaakar na xamna fa la bébé fa nek. N'attends pas, gawal fais-le tout de suite. Ah non, je ne suis pas ton père biologique. Il s'appelle Mounir Marigal. Chérie, j'ai comme l'impression qu'à ce rythme-là, on ne va plus jamais se quitter. Mais c'est normal. T'es même ce que tu veux dire, c'est mon cœur. T'es lourd de Xilak. Never. On va vivre en concubinage. Des fois, faire à ta pareil. Tu sais, le concubinage, c'est juste une manière de voir les choses. Pour moi, deux personnes consentantes, problème à mon fond. Wow. Certaines personnes peuvent le faire, mais moi, mes valeurs ne me le permettent pas. Alors, il ne faut même pas essayer d'avancer sur ce terrain-là. Si tu me vois à tes côtés, je me dis que c'est ma pas. Les gnassoirs, j'aurais quand même essayé. En parlant de ça, l'autre jour, on n'a pas pu terminer notre discussion. Ma discussion? Je demandais à propos de ta femme. Tu ne parles pratiquement jamais d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? D'habitude, la plupart des femmes ne s'intéressent pas à l'histoire de l'ex de leur nouveau copain. Moi, je ne suis pas la plupart des femmes. Écoute, je te sers une glace et après, on aura tout le temps de parler de ça. Ça te va? D'accord. Je vais t'aider. Non, tu ne bouges pas. T'as ça, ma gueule. Allô? Oui, c'est Carole à nouveau. Monsieur Mar a fini sa douche. Oui, s'il vous plaît. Allô?
Mar, c'est qui cette femme? Carole. Non, c'est une amie. Une amie chez qui tu prends ta douche? Écoute, je t'expliquerai à mon retour. Non, pour moi, c'est clair. Limotar Bougoma Nwarfan Gaidem. Et là, je sais maintenant que tu es en Côte d'Ivoire. Je vais tout expliquer avant que je rentre, s'il te plaît. Je ne veux rien savoir. J'ai comme l'impression que ta fille a raison. Carole. Je ne te connais apparemment pas assez. À mon retour, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Je suis désolée, Monsieur Mar. Mais attends-moi. Allô, Anna? Ça va bien. Il est là, Costa? Oui, il est là. Amina, j'espère que tu aimes la glace. Anna, qu'est-ce qu'il y a? Anna? Anna, Anna. Je suis perdue. Attends. Hey. Parle-moi. C'est grave, on est là, on est là. J'ai besoin de te parler. Amina, s'il te plaît, tu peux nous laisser? S'il te plaît, je t'appelle plus tard. Non. Non, moi, tu m'as donné pas une heure, là, mon frère. Anna n'est pas une cliente, non? Une cliente, non. Je ne suis pas une cliente. N'est-ce pas, Dacosta? Anna, c'est-à-dire... Il n'y a pas de c'est-à-dire, Dacosta. Là, nous m'en mais apparemment, il y a des noms d'ici. Anna, tu m'excuses. Tu es quoi pour Dacosta? Je suis sa copine. On est ensemble. Amina. Non, mais parle! Mais où est Dacosta? Où coco? Mais où est-ce aussi ce gars-là? Où coco? Dis-lui! Tu n'as pas osé. Si, il a osé! Mais tu es un sale menteur, Dacosta! À chaque fois, mes préférences, tu sais pas, c'est que tu dois dire. Tu n'as pas osé, Dacosta. Dacosta, tu n'as vraiment pas osé. Si, il a osé. Il ne mérite pas que tu verses des larmes pour lui. Yo, Dacosta, yo, il y a bon. Vous recherchez les âmes sensibles et les personnes brisées pour ensuite les achever. Mais pourquoi vous êtes comme ça, vous? Kholal. Qu'est-ce que tu as? Si je dors à terre, parce que nous sommes deux petits. Je vais te manger cru. Tu sais quoi? T'es de mort et je vais rien faire. Je n'ai ni la force ni l'esprit. Mais une chose est sûre, n'essaie même pas de me rappeler. Sinon, gare à toi. Anna, s'il te plaît. Anna! Anna! Mais devine avec qui? Qui? Anna! Qui Anna? Ouais, Anna, ben, 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 Anna, Raku Doudou. Et la pauvre, même si je sais que Dacosta était avec moi en même temps. Mais tu te rends compte? Mais si je ne l'ai pas mérité, qu'est-ce que j'ai fait? Darcy. Mais pourquoi tout le temps ça tombe sur moi? Pourquoi je suis naïve à ce point? Essaye de t'accalmer, s'il te plaît. Mais là, Cela! Défends Dara, ma chérie. C'était jusqu'à la gamme. Je suis vraiment désolée, mais je suis désolée. 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 D'accord. Vu que c'est comme ça. Maintenant, je vais faire redevenir comme tout le monde. Comment est-ce que je suis désolée? Je ne sais pas si c'est illégal. Mais je suis désolée. Pourtant, Jules m'avait averti, Sarah. Je ne sais pas si je suis venu à Dacosta, je suis venu avec une femme. Mais si je ne sais pas si je suis venu à Dacosta, je suis venu à Dacosta. C'est pas grave. Amina, regarde ça. Tu es très belle et intelligente. Si tu es venu à l'état, tu es venu à Dacosta. Tu es venu à Dacosta.
instant bi mënu lo liggéey da ngay dem ñibi nga sangu ba set nga nan sa ndox bu sedd guy man suma wacce dina fa ñew et heureusement ba sey amu ci ki buñ seyon dama koy réussir ra et désormais buma kenn waxati wax ko apparemment moi je ne suis pas faite pour les amours. Mais ils sont tous les mêmes, tous pareils. Ce sont des menteurs, des salauds. Je ne sais pas ce que tu as. C'est fini. Je suis avec moi, vraiment. Excuse-moi, Sarah. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Je vais te dire. Inspecteur. Oui, Sira. Comment vas-tu? Mais comment tu dis à moi? Et pourquoi? T'as aidé ma femme de faire comment on espionne. Ah. Lolo de faire grave. Comme n'importe qui sait. Normalement, t'as même pas que porter plainte. Est-ce que am nga une preuve solide? Ça m'a bien arrêté de m'envoyer n'importe quoi utiliser. Est-ce que j'ai appris à me comporter plein de l'inconnu? Sira, je sais que tu es une femme intelligente et tu as de la ressource. C'est pourquoi je veux être franc avec toi. Tu es là tout le temps, tu m'as espionné. Si tu as fait le signe, écoute. Parce que je sais qu'il y a des choses que tu ne veux pas dire sur cette affaire. J'ai essayé de te poser des questions, mais en vain. Nango, je suis désolé. Mangi Djigulu, j'ai fauté. Mais si jamais tu décides de porter plainte, je ne m'y opposerai pas. Mais j'assumerai toujours mon acte. De toutes les façons, ça n'a pas d'importance. Cette enquête est avancée. Est-ce que vous avez une nouvelle information? J'ai plus que cela. Là, je suis en train de monter une opération pour prendre en flagrant délit les hommes qui ont été en train de se faire avec. Enfin, une bonne nouvelle. Je sais pas si vous avez une à 100%. En tout cas, elle n'a pas le choix. Allô? Allô? Tu es toujours là, Sira? Oui. Inspecteur, Dina a envoyé des documents et des enregistrements. Et Karnane, Dina a déjà appelé même du procès. C'est super. Mais moi aussi, j'ai découvert l'outil que j'ai eu. Les informations sont bonnes. L'outil? Doudou, qui est ton mari, faisait partie des hommes qui travaillaient pour votre père. On a deux, n'est-ce pas? C'est ça le problème là? Non, pas pour moi. Bon, envoie-moi les informations. Comme ça, je saurai si tu es sincère ou pas. D'accord, mais à une condition. Laquelle? Bis bo xamé ki ray sam papa na ko ndike yé. Si c'est ça, je suis d'accord. Mais écoute-moi bien, Sira. Maintenant, un conseil d'amis. J'ai étudié les profils des personnes qui travaillaient dans l'organisation de votre père. Ceux que nous poursuivons maintenant ne sont que des exécutants. Écoute-moi bien, les commanditaires sont plus dangereux. Alors sérieusement, je crains pour toi. Alors, est-ce que tu peux te décrire pour un moment? Comme ça, quand j'aurai terminé avec ces démêlés-là, tu ne peux pas gagner. S'il te plaît, Sira, fais-le pour moi. D'accord. Je vais te dire que tu es convaincre. Merci. Ok. Pour ma part, je te tiendrai au courant de l'évolution du dossier. Je vais envoyer un éléphant qui va venir prendre les informations tout de suite. D'accord, Dina Kohar. Merci à toi. Au revoir.
Je sais même pas pourquoi des primaires. Pourquoi moi? Plus mon tacos t'a mon matière. Après, il défendre. En plus, il l'a fait au mauvais moment. Ça ne m'a pas pour moi, pas aller pour tout ce qu'il a fait. Mais pour le sentiment, je vais me trouver bizarrement. C'est vrai. Mais tout ça, ça fait beaucoup d'émotions en si peu de temps. T'as dit que 5 ans. J'aurais dû sur mon instinct et ne me rire. Je suis si bête. Tu ne l'es pas. Mon Kaimoro Wonderfly. En plus, tout ce qui t'arrive avec lui, amena ses parts de responsabilité. Parce que c'est moi qui t'avais demandé de lui faire confiance. Et j'en suis vraiment désolée. Tu n'as pas à l'être. En tout cas, il faut que je me dise que je suis en train de me faire. Sinon, il va vraiment le regretter. Ne te fais pas plus de mal. Et où tu ne ferais même pas de mal à une mouche. Non, non, non. On verra bien. Dis-moi, par rapport à la lettre, que comptes-tu faire? Tu en as parlé à Doudou. Honnêtement, je ne sais pas. De bon cœur, je sors de mon côté. Je sais que c'est une affaire où Bibi Faye est mort. Quel monde est-ce? Bibi Faye? Donc, je ne sais pas. Apparemment, d'après ses dires, je sais que c'est une affaire où Bibi Faye est mort. Et que je devrais avoir une avec deux hommes pour aller la récupérer. Enfin, une bonne nouvelle. Par contre, on ne peut que suggérer ici. Ah bon? Vas-y, je t'écoute. Gisoni Bébéfa a vécu beaucoup trop d'épreuves pour un enfant normal. Doudou et Kenza, ils ne l'ont pas utilisé. De quoi rire? D'utiliser les pour se détruire mutuellement, c'est pas normal. Tu as parfaitement raison. Mais je pense que le véritable problème, c'est Kenza. Mais non. Ils sont tous les deux responsables. Le passé de Doudou le rattrape à chaque fois. Et il y a toujours des dommages collatéraux. Bébéfa est entre un conflit infernal. Et c'est pas normal. Dans ce cas, qu'est-ce que tu proposes? C'est là où je voulais en venir. Yakana, si tu veux appeler Bébéfa, il faut que nous dem ak mom fu soli partir dem fan s'en aller loin de tout ça faut xamni ken duñu fa fek ni Doudou ni Kenza. En tout cas man ak luma jotté yek ni yeb je sais très bien comment nous organ il faut me clarifier certaines choses pour que ça soit clair dans ma tête. Mais si tu veux on peut en parler avec Doudou. Non, je ne sais pas. Demain, pas pour le moment. Mais nous allons bébé Fanyo. Après, demain, c'est vrai. C'est parfait, ça me va. En tout cas, Anna, avec ce que je veux dire, je serai toujours ton ami. Je sais. Je sais que je suis là. Je suis là. Mais tu parles bizarrement. Là, mon frère. T'as le rire. T'as là. T'es sûr? Oui, Doudou? Tu l'as retrouvé? Ok, ok, d'accord. Je les attends. Ça y est, il a retrouvé bébé Fa? Oui. Alléluia, alhamdoulilah, rabbil alamin. Je vais aller me préparer. Vas-y. Papa, yaya.
ko waxé won rek tay dama ñëw ko jël ci sama jabar la na fi bu bëggé rek bëgg na ndax xam nañ ni ay xalé ngeen té am ngeen seen aduna ci seen kanam té japp na né amna mëwet yo xamné yéna ko mëwetando té bëgg ngeen mu sotendo lén rek nak la lay dénk na fi mi xamul kenn ku dul yow ñun bañ la ko joxé dañ la djébal lépp ngal la nang ko jappé ma comme sa rak nam ñu ko yiral aral ñu ndax adina ya té ñun ni suñu walu wéena ba paré xamuñu tay la xamuñu suba la ba jaw ñu koy nañ ñaan rek yag fi té di len bu ngé ba ci kanam abdou yow yow la mala waron wax yépp wax na la ko woppal na fi mi sa soxna kon yow ci njabot gi nga bok sa yow ma soxla xam nga fi ngi may fekk du deug waaw legui nak dal wax ji yep nak ci na fi mi la dess su nango ah ñun mu ñu def lu top du mu bëgg na fi nango nga nango ah degguñu la de ja defal nga sa bagage yam way nanguna de am na def papa ya jere jef ci cadeau yi way dama bëgg rek ngeen dalal sen xel xamni nafi bëss bu delu ci jamm rek lay nek te yeen bo leen di jot ay nouvelle tamit ba na xar lay doon ci yeen alhamdullah dañ ci sante yalla kol ba ko ko yalla mën na lu ne li ci dess kej moy ngeen talal seni loxo ba ñaanal leen Alors, Kenza, Asta, je vous ai convoqué pour finaliser avec vous et revoir certains détails liés à notre affaire. Inspecteur, on en avait déjà parlé. Je sais, mais j'ai eu de nouvelles informations et j'ai besoin de votre avis sur certaines zones d'ombre. J'espère que nous n'avons pas de problème. Non, du tout. Nous avons déjà un accord et vous êtes protégé par la loi. Et vous voulez notre avis sur quoi? Sur la disparition du corps de Souleymane Mar et aussi sur son supposé meurtre. Je dis bien supposé. Parce que quand on n'a pas retrouvé le corps et fait l'autopsie, nous ne pouvons pas avancer qu'il s'agit d'un meurtre. Alors, c'est vous qui pouvez m'aider à éclaircir certains points. Et comment on peut vous aider? Sir Amar. Connaissez-vous Sir Amar? Oui, c'est la femme de Doudou. Quels sont vos rapports? Aucun. Mais vous savez que c'est la fille de Souleymane Mar? Oui, mon maman encore. Donc vous vous êtes fréquenté? Non, mon maman n'est pas venu. C'était à propos de quoi? Il est venu pour menacer Asta parce qu'il faut que je me raille, papa. Et c'était le cas? Je ne peux pas raille, je ne peux pas raille. C'est bon, doucement. D'accord. Pourtant, la dernière fois que je vous ai parlé, c'est toi qui m'as... S'il vous plaît. C'est toi qui as mentionné la disparition de Souleymane Mar, alors moi, je n'en avais pas parlé. Alors, comment tu as su la disparition de Souleymane Mar? Et si c'est le cas? Donc, il lui est arrivé sûrement quelque chose. On avait un accord. Et pourtant, vous êtes venu chez moi sans prévenir. Vos questions ont perturbé Asta. Et Dieu sait que, Goudi Gogli fache ou mom hamouji dara. Parce que manak mom nyo andi nyibi, baïfe monsieur Mar ak khale gori. Voilà. Donc, on arrive à cette fameuse soirée. Donc, il s'est passé quelque chose là-bas. C'est le moment de me dire la vérité. Et maintenant? C'est simple. Monsieur Mar avait l'habitude de venir en boîte avec des filles. Ce jour-là,
Il est venu pour une autre raison. Et moi, Asta, Akrale et Gori. Voilà. Les garçons. Quels sont ces garçons? Je vous en avais déjà parlé. Doudou, Shérif, Akinen, Nyari, Khali, Gori, dont j'ignore l'identité. Monsieur Margis Asta, de petit Kaom. Apparemment, il était ivre et qu'il avait même pris de la drogue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, je suis intervenue et j'en ai parlé à Doudou. Mais Asta a dit qu'elle a vu ton ex se disputer avec Souleymane Bar. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et comme Asta, à un moment, je me suis écartée parce qu'il y avait deux hommes qui sont venus avec une mallette. Après Tchilin Belou. Donc, savez-vous ce qui se trouvait dans ces mallettes? Non, j'en ai aucune idée. Comme je vous ai dit, Khali Yougouri est venu l'utiliser juste pour mener à mes clients. En tout cas, actuellement, nous recherchons Shérif. Depuis qu'il est sorti de prison, il a tué un de nos indiques 200 fois. Ce Shérif n'est pas venu vous voir par hasard? Dédette, vous souvenez? Pas à ce que je sache. J'ai comme l'impression qu'il est en train de faire un règlement de compte avec ses anciens complices. Et ce Shérif n'est pas venu voir votre ex-copain? Non, je ne suis pas sa confidente. Bien. Je crois que j'ai ce qu'il me faut. Je vous reviendrai dès que l'évolution des choses se fera. Merci, j'espère que ça sera pour la dernière fois. Sauf cas de force majeure, vous ne reviendrez plus ici. D'accord, merci. Adieu, inspecteur. Ouais. Abdou, qui est-ce que tu as fait? Qui est-ce que tu as fait? C'est mon ami. Eh, c'est mon ami. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Maman, qui est-ce que tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Mais je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais na fi ak sel wakar lan lañ la def liñu ñak motax ya yalla moy maye te bu lu yakar as neew ci am am bi la yalla may nga yakar ni ya leen keun bo wa dil na wara mëna toroxal mama ma japp ni xamoo aduna na fi genn ci fort et tu le sais. Te boul fogn dañu faté fi nga jaar ak ñun ñëpp. Ñu suñu papa wone ginnaw. Malgré sa naxari dërëb yëpp, tu as toujours été une femme de valeur. Et tes qualités bobu la gis ci naf. Ba tax ko mu doon sama soxna. Ngir rek nga mëna gis say sa. Di mëna faaw ak ñoom. Mama, aduna bi dafa jeex ba paré. Je veux que tu te fasses ta femme. Dog is gonna massa. Dog is getting somewhere.